Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu m'excuseras avec la réverbération, etc. Ça arrache les yeux, donc je vais laisser mes lunettes. Et à ceux qui sont jamais contents, et ben écoute, ça sera pareil. Il fait un petit peu chaud, donc je tenais tout d'abord à remercier. Donc alors je dis EV Base, donc une partie en français, une partie en anglais. EV Base ou EV Base pour le coup, donc pour le sponsoring. Donc c'est arrivé donc les trois en même temps. En tout cas là on va parler des enjoliveurs. Ils m'ont aussi envoyé donc un lot de lumière type LED à installer, donc ça sera vendredi pour le coup avec une autre personne, donc je ferai la vidéo dans la foulée. Aujourd'hui nous sommes donc mercredi. On va installer les enjoliveurs donc pour le coup avec Hakim. J'attends qu'il arrive. Et puis, ça sera déjà pas mal. Je tiens à rappeler, je vais mettre pour le coup donc en incrustation donc le sponsor. C'est son site internet, ce qu'il fait, ses spécialités pour le coup. Et j'étais revenu vers eux, comme tu le sais, donc la commission là-dessus, donc ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, je préfère vous donner plus pour pouvoir acheter que finalement prendre une commission. Et en plus avoir un produit éventuellement qui est que pour moi ou quoi que ce soit, ou que je puisse revendre derrière ou quoi. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas être jugé parti. Voilà, donc je tiens quand même à reprendre et à reparler des bases. Pour le coup, ils ont un code promo de 10%. Normalement, la commission devait être de 10%. Mais lorsque tu tapes mon code promo, donc Johan, ça fait 15%. Bon, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Tu regardes dans les différents partenaires qu'il y a. Donc, je ne m'orienterai jamais, on va dire, sur du Amazon ou clairement du AliExpress. Donc, c'est des sociétés soit chinoises, soit souvent donc américaines qui souhaitent donc faire un partenariat, qu'on puisse donc parler du produit. Comme tu me connais, que ça soit
très positif ou qu'il y ait une partie négative ou qu'il y ait des choses qui ne vont pas, on va le dire. On refera un point donc avec Hakim pour le coup, très certainement 6 mois après, pour voir si les mousses ça tient bien, s'il n'a pas de problème, s'il n'y a pas de problème de vibration, et si donc pour le coup il est content et satisfait du produit. Là on va faire donc l'installation pour le coup ensemble, et puis on va découvrir à la fois, je vais découvrir donc Hakim, et aussi donc découvrir, alors j'ai déjà ouvert le carton, j'ai vu un petit peu le produit, moi je le trouve extrêmement joli. Les enjoliveurs vraiment vont très certainement donner à sa modèle 3 un super look, et de toute manière donc tu as certainement vu donc le montage avant. J'ai pris l'habitude de d'essayer de faire des belles images donc en introduction, je te parle du sponsor, et puis bah là on va faire place donc au montage. On va mettre des petites parties accélérées parce que je dis pas qu'il y a rien d'intéressant sur coller, tu vois, la mousse tout autour, mais voilà. J'espère en tout cas avoir été très clair dans ce test produit. Merci encore une fois à EV Base pour le coup donc de m'avoir sollicité, donc et à chaque fois qu'il y aura donc des tests produits, soit si sur mon modèle Y ça convient, donc puisque c'est essentiellement des tests donc sur des Tesla, soit, et bien dans ces cas-là, comme tu sais, je contacterai une personne où il y aura un tirage, et donc avec d'autres sponsoring ou quoi que ce soit, pas de souci. Mais en tout cas, là, le but de cette vidéo, c'est de parler donc du sponsor, de son produit, de rester là-dessus, de savoir donc ce que j'en pense, et puis aussi tu peux commenter là-dessus, dire ben est-ce que tu as déjà commandé chez eux, est-ce que tu connais. Je sais que pour le coup Tesla Venture, donc Yann souvent fait des tests produits avec eux. Je sais que lui il aime beaucoup tout ce qui est tech, qui se met au niveau des écrans, tu puisses mettre ton téléphone, vraiment il pousse des fois même avec des écrans, etc., pas mal de choses. Donc voilà, moi je connaissais peu, j'avoue que pour le coup j'avais pris directement donc sur l'application que tout le monde connaît, donc en Chine, où je serais que je pas non plus très pour le coup Amazon. Et comme j'ai dit clairement sur AliExpress pour le coup, il n'y a pas un réel quand même suivi. Parfois, moi, j'ai eu quand même des déceptions. Tu vois, par exemple, là, ce que j'avais acheté, ça, il était pincé. Donc, je sais pas si on le verra, tu vois, qu'il est pincé. Et le vendeur, donc, m'a dit, oui, ça va se reformer, voilà, avec la chaleur. Enfin, normal, quoi. Allez, je te laisse. Il y a Hakim, pour le coup, qui est arrivé. Voilà pour le coup, donc Hakim, on a le carton EVB, je te laisse le sortir. La petite différence qu'il y avait les autres, tu vois, donc c'est bien protégé. Tiens, vas-y, je te laisse le sortir. Mais c'est pas individuel. Ouais, j'avais sorti, ouais. J'avais sorti cet enjoliveur. Tiens, vas-y, on le met là. Voilà, donc c'est fait comme ça. Donc en fait, d'autant plus qu'ils ont. Sur celui-ci, on va mieux voir. Bah, on le verra de toute façon sur les autres. Ouais. Il y a une protection dessus. Donc, il y a cette partie-là, une séparation, et puis de la mousse encore dedans. Bah, de toute façon, on va faire le premier. Vas-y, mets-le sur le côté, celui-là, je pense. Celui-là ? Non. Carrément le carton, on va le baisser. Et puis, comme ça, on va avoir le coffre pour manipuler tout ça. Tiens, toc. Hop, je te laisse l'ouvrir. Yes. Ouais, parce que c'est pour toi, tu vas travailler quand même. Bah, un petit peu. Hein ? Bon, ben voilà. Donc, c'est ce que je te disais. Ah. Donc, il y en a un qui n'a pas ça. C'est normal puisqu'il est sur le carton. Et tous les autres donc, ont une protection. Et donc, la mousse, c'est vraiment très, très bien, quoi, pour le coup. Oui, j'imagine. Tiens, donc, là, il y a leur petit. Ouais, je pense éventuellement pour l'installer. Mais ouais, franchement, les enjoliveurs, c'est vraiment pas trop compliqué, quoi. Je crois qu'ils m'ont pas répondu juste sur une chose. On verra après. C'est pour mettre. Pour mettre les petits caches en fait pour le coup. Donc là, yes. J'ai récupéré et au final, je les ai retrouvés dans un autre carton. OK. Donc okay. Tiens, regarde. Donc, hop. Et en fait
Voilà, donc eux, ils ont mis carrément donc un rouleau et il y avait ça, donc je pense que sans, entre guillemets, sans marque. Donc en fait, tu peux le mettre sur un 18 pouces, je pense classique, pas forcément Tesla. Et je pense qu'il ne faut pas mettre les deux parce que tiens, je crois que si tu le mets par-dessus, ça fait trop. Ah d'accord, ok. Ça fait trop lourd. Tac, tu vois. Ok. Donc du coup... Ouais. Je pense que c'est comme ça. Hein. Ouais. Ça va coller? Ouais. Je pense, ouais. Bon, de Non, toute c'est... façon, quand on va le décoller tout à Oui, l'heure, de on toute façon, on verra. verra. Le mieux, alors il y en a qui disent la flèche, on verra si tu veux le mettre Oui, par rapport à alors, la pointe de le. ça, je l'ai vu, en effet, c'est ce que en général, c'est ce que fait Tesla, d'après ce que j'ai Ouais, compris. même je crois que chez Porsche aussi ou certains. Et voilà, et d'autres marques. On Donc, ouais, pourra c'est l'installer certains tout de disent. suite, comme ça sera fait, quoi. On fait donc la petite mousse tout le Ouais. tour. Alors, du coup. Hop. Attends, je te filme bien. J'y vais doucement. Là, il y a le rouleau. Je pense qu'il devrait y avoir assez. Non, mais de toute façon, il va falloir l'enlever, je pense. Ouais. Cette partie-là. Ouais. C'est la partie qu'il faut enlever, hein, de toute manière. Donc, Ok. c'est pas très grave. Donc, tu as la partie mousse qui est ici et la Ouais. partie collant. Et D'accord. puis, voilà. Donc, si ça te dérange pas, je pense qu'on fera un retour donc, au bout de 6 mois, savoir notamment la mousse, Si ça a bien si tenu. elle est bonne, de bonne qualité. Parce que pour le coup, Thomas, donc, qui a son modèle Y depuis pratiquement, ou il a dépassé 2 ans, la mousse. Elle était morte, complètement désagrégée. D'accord. Donc il y a éventuellement il y a un remplacement. Ok. Donc pour l'installer, je pense que je vais décaler au fur et à mesure. Enfin, je vais peut-être alors comme ça Ouais, tout, coller au alors, fur et à mesure. ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, tu décolles un petit bout et puis, en fait, tu le tires au fur et à mesure. Et ce que je pensais, donc, c'est la première fois que je le faisais puisque moi, j'avais pas. Ah, celle-ci est très agréable au toucher. Moi, la mousse, c'était une vraie mousse. Là, c'est. Je sais pas comment dire, mais c'est plus épais. Ah, c'est plus épais. Ben celui que j'avais, donc pour le coup, c'était une vraie mousse. Là, c'est mousseux, mais un peu d'une autre manière, quoi. D'accord. Bon, allez, c'est parti. De toute façon, là, je te dis, là, il y en a pour une petite dizaine de minutes. Non, c'est nickel comme ça. Et puis moi j'avais peur, tu vois, pour le coup, que ça se mette pas bien comme c'est relativement droit à la base, ça. Ouais. Et ça s'aligne bien, quoi. Et ça évite aussi les vibrations pour le coup. Parce que ce qui va se passer sinon, c'est que le plastique, il va taper sur la jante. Et de toute manière, même quand on garde les enjoliveurs de base, Ouais. on a le même problème. Ah oui? Bah pour le coup, j'ai eu Alors. Lisa donc qui a une modèle Y je crois ou modèle 3 et qui m'a dit que même avec les enjoliveurs de base, les accroches abîmaient enfin, les mailles mais en tout cas la jante quoi, Ouais. l'aluminium. Après, niveau vibration, alors il y a, c'est vrai que j'ai des vibrations sur. Alors du coup, j'ai ouvert un ticket chez Tesla. Sur les jantes? Alors, je sais pas d'où ça vient. J'entends des petites vibrations et je suis pas sûr d'où ça vient. Et j'ai l'impression que c'est un bruit de plastique. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Bon, et après, bon, on verra. Hein. J'ai ouvert un ticket. J'ai ouvert un ticket. J'ai rendez-vous lundi. Et ouais, parce que dans la Bitech, je sais pas. J'ai un petit grincement des fois. Donc à suivre. Hein. On verra. Ah, c'est mieux dans ce sens-là. On voit bien la lumière. Je suis un peu long, j'essaie de le faire bien. Non, ah bah, franchement, prends ton temps, hein. Ok. Moi, j'ai mis grossièrement un peu plus d'une demi-heure. C'est la partie, on va dire, la plus fastidieuse, quoi. Donc, autant bien la faire une fois, on reviendra pas dessus. Ouais. Les gens disent, oui, mais elles sont dures. Alors, ceux-là, t'as vu, elles sont faites différemment, les accroches. Alors, je sais pas si c'est du fait du 18 pouces, mais elles sont faites différemment. Ah, ça va être marrant, j'ai jamais enlevé pour le coup. Tu les as déjà enlevés, les enjoliveurs? Jamais. Et de toute façon, il faut malheureusement les enlever parce que tu sais ce qui Ah se ouais? passe. Ah En d'accord. fait, ton enjoliveur, concrètement, il est au bord et obligatoirement, bah, tu as plein de saletés qui vont, tu as plein de merde en fait qui vont se déposer. D'accord. Donc l'enjoliveur, la jante va rester propre. Ah, ça a tourné. Ouais, j'ai pas. Hop. Bon, grave.
Mais en gros, toute la poussière va venir dessus. Ah, sur, donc il faut. Sur les petits bois, bah, honnêtement, il faut le faire peut-être tous les 3 mois quand même. Ouais. 3 à 6 mois, venir le retirer, venir les nettoyer. Bien sûr que malheureusement, il n'y a pas de miracle, ça va abîmer la jante. Tu vas voir la tienne, ah non, elle est de juin. Je pense qu'elle n'est pas encore abîmée, mais. Ouais, bah, j'ai pas encore retiré, mais bon, après, de toute façon. C'est inévitable. Ouais, ouais. C'est inévitable. Comme c'est inévitable, les feux, tu vois, regarde, qui prennent l'humidité. Ça, c'est... Oui, ça, j'en ai entendu parler. Alors, je n'ai pas regardé si ça, c'est déjà le cas pour moi. Tiens, je te donne un ciseau et après, tu pourras le couper. Ce qui m'a étonné, c'est que pour le coup, Thomas, que la mousse se soit désagrégée aussi vite. Ouais. Même si, en fait, le plastique mousse et aluminium sur la jante, normalement, tu vois, ça ne devrait pas... Et ça, par contre, c'est quand même bien, c'est pour éviter vraiment le contact. Ouais. Et ça a l'air de bien tenir, hein, parce que j'ai récupéré les jantes de Thomas, et alors ça tenait. Hein. Par contre, la mousse, ouais, c'est complètement désagrégé. Je te dis, je suis très curieux, parce que moi, j'ai pas du tout ce type d'accroche, c'est plutôt une pince. Ouais. Et là, c'est une plus grosse pince, donc obligatoirement, malheureusement, un plastique, tu verras, c'est comme elles sont faites les autres, sur du plastique, ça... Ouais, ça va... Ça fait pas malheureusement des miracles. Le gros avantage, je te le souhaite pas, sinon faudra en racheter. Le jour où tu abîmes en fait l'enjoliveur, ça viendra que casser en fait l'enjoliveur, ouais, et ça viendra pas en fait arracher la jante. Yes. Pour le moment, tu ne m'as pas fait de dégâts. Je crois pas. Normalement, j'ai fait attention. Parce que Thibaut, oh là là. Oui. Ah bah 4000 km, 15 jours, il a déjà. Oui, c'est vrai. J'ai vu. Il a déjà malheureusement pris un et ça va vite. Hein. Ouais. Et alors, ce qui est fou. C'est que ça, c'est vraiment que le rebord qui a pris, que le rebord. C'est même pas le pneu, rien. Ça. S'il avait eu ses des enjeux, ouais, en effet. Allez, je te laisse prendre le second. Hein. Eh, il fait beau. Ouais. J'y crois. Franchement, pas. Quel plaisir. À quel moment il y a quelqu'un entre guillemets. Moi, j'aime pas trop le mot youtubeur, tu vois. Il te dit bah tiens, allez, vas-y, on va poser des jantes. Ça n'existe pas. Ouais. Franchement. Après, je pourrais pas faire des tirages à chaque fois. Ouais, ouais. Comme je l'ai dit, en fait, autant que ça profite. Pourquoi pas ne pas en profiter, hein. Franchement, on nous offre quelque chose. Ouais, c'est super sympa. Et puis après, l'idée, c'est de faire un retour, de jouer le jeu aussi. Oui, comme ça peut servir à des gens. Et voilà, parce que moi, honnêtement, j'ai. Voilà, là, cette voiture, voilà, c'est une passion. Et du coup. Quand je l'ai acheté, franchement, t'as envie de la bichonner, t'as envie. Après, ça dépend de chacun, hein, mais moi, c'était mon cas. Et j'ai passé je ne sais combien d'heures sur YouTube pour voir les différents produits qu'il pouvait y avoir, surtout de la protection et autres. Et pour un peu améliorer, disons, voilà, avoir des choses, améliorer le confort. Et voilà, si moi, je peux à mon tour, apporter quelque chose et faire un retour via toi, hein, parce que. Là, ce que tu fais là, les vidéos, franchement, bravo, parce que ouais, t'es très productif, tu fais plein de vidéos sur plein de thèmes différents, alors c'est génial. Et nous, voilà, on en profite, donc du coup, voilà, si je peux contribuer un peu. Ben moi, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression quand même à dire, tu vois, c'est-à-dire que sur la voiture, malheureusement, thermique, il n'y a plus rien. Rien qui se passe. Il n'y a plus de développement de moteur. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus rien. Donc, et là, concrètement, ça évolue tous les jours pratiquement. Mmh. Ouais. Les batteries évoluent, les nouveaux systèmes évoluent, les charges. Donc, en fait, il y a plein d'innovations qui arrivent qui sont super sympas. Mmh. Et rien qu'en parlant du style de la batterie et des moteurs. Hein. Mmh. On ne parle même pas en plus, moi, ça m'intéresse un petit peu moins toutes ces parties Android, etc. qui sont dedans. Hein. Ouais. De toute façon, après, voilà, si on peut faire une vidéo, ça sera super intéressant, le nombre de kilomètres, tu vois, que tu fais. Oui. Et comment t'en arrivé, donc, la 307, ben, moi, je connais très bien Peugeot et mes parents, notamment, une 307, donc, comme la tienne. Donc, ça, là, tu dois revivre en termes de consommation. T'étais à quoi? 10, 12 litres, au moins? J'étais à 10 litres sur l'ordinateur. Hein. Ouais. Je pense que, voilà, 10, 11. Et après, voilà, c'est un moteur qui, à l'époque, est sorti, qui a très bien marché, qui a une, voilà, enfin, je trouve qu'il y a une super longévité. C'est un très bon moteur. Ah ouais, par contre, je trouve qu'en termes de rendement, il est assez moyen. Alors, quand tu dis rendement, c'est consommation, tout ça? Alors, par rapport aux performances, par rapport aux 140 chevaux, tu vois, il est Non, ça, ouais. Il est, on peut pas dire qu'il est creux, mais
tu sens pas une grosse différence entre le 1 litre 6 et le 2 litres, et au même titre que tu sens pas trop une grosse différence entre le 1 litre 6 110 et le 1 litre 4 95, tu vois. Ouais. C'est pas flagrant, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai jamais essayé le 1 litre 6, le HDI. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence avec le 2 litres HDI. Et en fait, par contre, il y a une grosse différence de conso, quoi. Parce que moi aussi, je l'ai eu et j'ai aussi eu le THP. Ouais. Et le 1 litre 6, on va dire, tu vas être aux alentours de 7-8 litres. Et là, ouais, 10, 11, 12, c'est... Et t'as jamais pensé à l'éthanol éventuellement? Alors, je l'ai transformé en GPL. Ah ouais? Oui. À l'époque où c'était, y avait des aides, c'est ça? Ça valait le coup, gros coup de chance. Il y a eu, c'était la, on a eu la première pseudo crise pétrolière et à l'époque, et c'était en 2006 de mémoire. Ouais. On a vu le prix grimper. Ouais. Et moi, je venais de l'acheter, je l'avais depuis 2 ans. Donc elle tournait au GPL. Alors là, non, depuis 2 ans, non, moi je l'ai acheté toute neuve. Ouais. Je l'ai sortie de chez Peugeot. D'accord. Et oui, parce que voilà, j'ai un ami à moi que voilà, un ami d'enfance, et son père a travaillé chez Peugeot, et du coup il a pu. Ça va, ça se coupe bien. Oui, ça va. Puis après, mais vraiment la mouche, la trouve. Désolé de te couper là-dessus, tu vois, je la trouve. Elle est différente, elle est vraiment plus dure. Ouais, plus dur. Ouais, plus compact, beaucoup plus compact. Alors ça reste une mousse, hein. Mais l'autre était un peu plus molle, un peu plus rebondissante. Donc je suis très curieux, tu vois, qu'on fasse des retours comme ça au bout de 6 mois. Voir, ouais, ouais, on va voir. Hein. J'espère que ça devrait pas s'user normalement. C'est donc vrai. Là, tu vois, vraiment très bien emballé. Et tu vois, enlève ça et donc il protège à chaque fois pour éviter que bah, le carton. Honnêtement, hein, c'est pas de leur faute. Mais je pense qu'on est tous logés à la même enseigne quand tu vois comment les livreurs ils te maltraitent les les cartons. Ça, malheureusement, il faut qu'ils aillent de plus en plus vite et bah voilà. C'est j'ai encore reçu un colis où on me l'a acheté à travers la porte. Ah. Ouais, bon, c'est pas. Après, c'est pas méchant, mais il faut qu'ils aillent très vite. Oui. C'est ça. Et je crois, mais ils sont pas précautionneux, quoi. Ils en ont un peu. Mais je comprends quand on leur donne un rythme de fou. C'est ça. Tu les vois rouler sur la route. Moi, j'ai peur pour mes enfants. Je me dis, je veux pas qu'ils aillent. Oui, en effet. Sur la route, ils font attention à rien, quoi. Pas grand chose. Donc c'est très compliqué. Mais bon. Ouais, en effet, au niveau des packaging là, donc moi, c'est reparti pas mal, hein. Pour donc la troisième, et tu nous disais donc Peugeot, donc oui, donc neuve sortie, oui, sortie 2000... du garage, parce qu'un ami, voilà, il a eu, tu sais, il avait la réduction collaborateur, tout oui. Ça, bon, voilà, ça va, à l'époque. Se faisait, tu pouvais assurer à ton nom pendant 6 mois, et oui. Voilà, voilà, super sympa. Donc voilà, je l'ai sorti de là-bas, et bon, j'ai été, alors c'est une 307 cc, pardon. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai roulé de 2 ans avec à l'essence, et après voilà, crise pétrolière, et je me suis dit tiens, je vais regarder GPL. J'ai pu avoir un truc, j'ai pu la transformer GPL, un garage qui malheureusement a fermé depuis. D'accord. Qui était à Dan aussi. Et bah voilà, très bien fait et tout, et j'avais 20 000 km. Ouais, j'avais 15 ou 20 000 km quand j'ai fait la transformation. D'accord. Et j'ai roulé en GPL jusqu'à 318 000. Et sachant que le GPL, en gros, ça t'a coûté quoi? C'est aux alentours des 2000 euros, c'est ça? Alors à l'époque, c'était 2200 euros. Et combien d'aides? 2800 euros. Moi, j'ai réussi à avoir un truc en promo à 2200 euros. Ouais. J'ai eu. Mais allez, à ce moment-là, il n'y avait pas d'aide. En 2007. Ah oui, parce que c'était 1000 ou 1005 après. Alors, c'est Sarkozy a remis l'aide, je ne sais plus comment on appelle ça, écologie, je ne sais plus c'est quoi comme aide. Ouais, surtout que t'es critère 1 en fait. Il part du principe que le gaz est naturel, quoi. Oui. Et du coup, il a dit, bon, bah, ceux qui ont fait une transformation sur 3 ans, rétroactif sur 2 ans ou 3 ans. Sérieux? Ouais, et c'était en 2007. Et moi, j'étais super content, je fais ma demande et ils m'ont donné 2000 euros. Bon, bah, tu vois, c'est pas qu'un connard, quoi. Non, non. Je vais mettre un bip. Mais c'est ce genre de personnages, ils sont ouais, il y a des choses qui pouvaient être positives, et puis ouais. Il y a des choses oui après voilà, très particulières, en quoi. Tout cas ça un peu comme celui qu'on a actuellement là, c'est compliqué. Ouais, il s'excite, il insulte. Ah, c'est papa, il est parti là. Ouais par contre, ouais, celui-là est peut-être un peu moins, il s'enlève moins facilement. C'est un peu fragile. Il est un peu fragile. Si il se prend un petit peu, pouf, ouais, il se déchire. Il y a un petit grip ou quoi, il se déchire, quoi. Donc il faut. Faut y aller tout doux. Faut très attention. Voilà, essayer de prendre petit à petit comme ça, là. Fais glisser petit à petit. Puis, Non, mais franchement, pour le moment, tout se passe bien. Hein. Ouais. C'est les LED. Vendredi, je. Oui, t'as les LED vendredi, ouais. Je.
J'espère que ça va bien se passer. Ça va peut-être être un peu plus long. Ouais, alors il a pas l'air super compliqué en effet, mais peut-être que oui, il faut démonter un peu le Alors, c'est problème, c'est le raccord entre l'écran à l'avant, on va dire, ou le tableau de bord, et bien de le passer proprement jusqu'à derrière. Alors, je crois qu'il y a un T, je crois, au niveau du tableau de bord, mais celui-là, je ne l'ai jamais fait. Après, on peut le brancher en USB, donc c'est toujours pour le coup EV-based. Donc, bah, ils m'ont dit, ça vous intéresse ça? Et je trouvais ça vraiment dommage de passer à côté. Ouais, bah oui. Et pour le coup, ce qui est juste embêtant, bah, c'est que Karim, il les connaît moins que moi. Donc, toi non plus, de toute façon, tu sais pas plus. Non, j'ai pas. Alors, par contre, je vais te montrer après parce que en fait là, c'était le Black Friday. J'avais un budget. J'avais mis un budget. Ça fait un moment hein, depuis que j'ai la voiture. J'avais en tête d'automatiser le frunk. Après voilà, hein, sachant ce qu'on avait discuté là sur la garantie et l'écran, mettre un écran arrière parce que voilà, j'ai une fille de 9 ans. Et papa, la musique, papa, ceci, papa, tu vois, je pense que tu connais. Tout à fait. Et donc, je me suis dit, ah, l'écran arrière, ça serait quand même super. Et bah, j'ai regardé, là, c'est le Black Friday. Ouais, Donc, c'est voilà, une belle opportunité, il y a c'est des ça? promos de dingue. Et je les ai commandés, du coup, je les ai reçus. Et c'est quelque chose. Alors voilà, c'est pour ça que je disais si je peux contribuer bah, avec plaisir, parce que j'ai passé des heures et des heures sur Internet. Est-ce que je peux faire ça moi-même, même puisqu'il me faut un installateur? Donc je pense que Je c'est pense que c'est hyper simple, hein. T'as ouais, vu, c'est du Lego, ça se déboîte, tu viens l'alimenter et grossièrement c'est fini quoi. voilà. Le seul problème, moi, comme je te dis, voilà, c'est la garantie avec le Oui. constructeur, parce que voilà, ils disent oui, mais ça dépend de quelle marque, de cette chose. Ouf, Exactement. ils vont vouloir essayer toujours de se dédouaner. Hein. Bah, comme avec le GPL, tu vois, si c'est homologué, même quand c'est homologué, si t'avais eu un souci, je pense, sur ton GPL, Ah, c'était fini. on est Alors, d'accord. Alain Peugeot m'a dit, Voilà. là carrément, J'invente rien. là sur Peugeot, comme là vraiment, bah là Je te laisse prendre le dernier. on touche au moteur. Ah oui! Là ils m'ont dit, bon bah Avec évidemment une cuve, etc. Enfin. voilà, la garantie saute. Mais à l'époque, j'ai attendu de sortir de la garantie. C'était 2 ans de garantie Peugeot. Ouais. Et bah une fois que j'avais plus de garantie, j'ai fait cette transformation-là qui était homologuée et compagnie. Hein. Ça c'est voilà. Parce qu'après, il Ben, faut c'est passer toujours la chez même chose, Denis. en fait. C'est comme l'éthanol. Ils te disent en gros, le gasoil, pour le coup, le gaz, pardon, il y a deux voitures qui arrivent, ça me met en stress. Désolé. En plus, la voiture est. Ah, c'est la Ah, c'est le mienne. Scénic. Ah, Scénic? Ouais, c'est le Scénic. J'invente rien. Et c'était content. Bah, et on est derrière le technocentre, tu sais. Juste Oui. derrière, là, Ah il y bah a une ouais. ouverture et tout. Ah ouais. Donc, c'est sympa. Ils nous ont fait un grand sourire, d'ailleurs. Oui. Je suis excusé, tu sais, on sait jamais avec les ingénieurs de chez Renault, je les connais. Ils ont souvent réponse à tout. Voilà, je vais me faire dézinguer dans les commentaires. Et oui, mais tu sais que donc pareil pour l'éthanol, c'est vrai qu'ils ont tendance à dire, bah, voyez avec le poseur et puis vous débrouillez. Puis le Ouais. poseur dit, ouais, mais bon, c'est un problème de moteur. Enfin, c'est Et toujours. ça là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça. Alors chez Peugeot, moi j'avais attendu de sortir de la garantie Ouais, pour le c'est mieux. faire. Donc voilà, j'ai pu le faire. Et puis après, t'as la garantie du garage GPL hein, et qui prend en charge pendant. Je crois, il m'a pris 2 ans de garantie. Alors, après voilà, le truc c'est que j'ai eu Et t'as un petit zéro entretien problème. supplémentaire, je crois. Non, c'est le contrôle technique où tu Oui. payais un supplément parce que bah t'as une contrôle technique double essence GPL. Par contre, pour l'entretien, j'ai fait un premier check, une première révision à 10 000 bornes. Tout allait bien. Après, il m'a dit oui, bon, on revient dans 2 ans. Je suis revenu dans 2 ans et après il m'a dit non, bah, écoute, tant que t'as pas de problème, voilà. Et du coup, j'ai jamais fait de révision. Enfin, j'ai une super expérience avec le GPL. Après, voilà, j'ai jamais eu de Bah, il n'y a problème. jamais eu trop de problèmes sur le. Ouais, il y Le a. seul chose qu'on peut reprocher, donc là, tu l'as mis où au final? À la place de la roue, c'est ça? À l'arrière? Oui, le réservoir, il est à la place de la roue de Ouais. secours. Donc c'est la seule Oui. contrainte. Et d'après ce que j'ai compris sur les Dacia, c'est que par exemple, si tu n'as pas un minimum d'essence, bah, si tu as la réponse, moi je ne sais pas, tu peux pas démarrer au GPL. Oui, parce que alors moi j'avais le même problème, c'est que il me fallait de l'essence parce que le démarrage, Se quoi fait qu'il arrive, l'essence. se fait à Eh l'essence. oui, parce qu'en fait, c'est comme l'éthanol, Oui. à froid et dans nos régions pour le coup, Ouais. dès qu'il fait, en fait, dès que t'es en dessous, sur l'éthanol, dès que t'es en dessous de 11 degrés,
que tu sois à 11 ou à 0 degré, en fait, le point d'allumage est beaucoup plus faible et c'est très compliqué, quoi. Ouais. D'accord. Donc, en fait, il y a l'allumage qui se fait à l'essence et t'as jamais eu aucun problème, donc, sur 300 000 et pratiquement 20-30 000 kilomètres par an, quoi. Alors, j'ai eu un souci. J'ai dû remplacer la pièce. Je suis arrivé à 200 000 kilomètres, donc 180 000 en GPL et j'avais le, parce que avant que le GPL se déclenche, il faut que la voiture atteigne 30 degrés. Ouais. Et sur le vapeau détendeur, oui, il y avait un espèce de, une sonde. Oui. Et cette sonde là est tombée en panne. La sonde de température pour le gaz. Comme un éthanol en fait, il y avait une sonde spéciale. Une sonde spéciale qui disait OK, la voiture est à 30 degrés, je déclenche le GPL. Bon, elle était en panne quoi. Voilà, elle marchait une fois oui, une fois non. Bon, je dis mince et du coup, je suis allé au garage, il m'a dit oui, bah écoute, faut changer la sonde. On a changé la sonde et puis après impeccable. Et tu vois, ça s'épouse bien. Hein. Et moi, j'aime beaucoup le toucher de celui-ci et ouais, plus agréable. Il rentre très très bien. Tu l'as bien posé. Moi, je t'ai posé ça comme un barbare. Non, franchement, nickel. Ça va rendre. Hein. Franchement, je les aime beaucoup. Ils font un peu type un peu Porsche, tu vois, un peu 911 ouais, comme ça. Ouais, non, mais j'aime beaucoup le design en effet. Donc ouais, bonne expérience. Bah heureusement que tu étais au GPL à plus ou moins 50 centimes, mais encore là, ça fait mal. Là, 12, tu étais à plus de 10 euros du 100 km. Quoi. Oui. Alors heureusement, hein, je suis passé. Parce que ouais, en effet, c'est une voiture qui consommait, mais j'adorais ce moteur parce que c'était une boîte large, très très large. Et je sais pas, je trouvais que c'était un moteur agréable. Après, en effet, il consommait. Et bon, ça c'est. Ça aujourd'hui, alors on fait plus des moteurs de ce genre-là, sauf si tu payes. Je crois qu'ils en font, mais c'est très très cher. Ah, de le réparer ou de faire du l'échange standard ou quoi que ce soit. Alors même sur les véhicules neufs maintenant, c'est-à-dire que parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un accident avec on a deux voitures, donc j'ai eu un accident avec l'autre et c'était une Peugeot 107. Ah mince, une Peugeot 107. Et je suis allé chez Peugeot, ils m'ont donné une voiture de remplacement. Ouais. Et c'était une 2008. Alors je sais pas, moi peut-être je suis tombé sur pas le bon moteur, j'en sais rien, mais c'était du 3 cylindres. Ah. Et waouh. Le pur caca. Aïe. Tiens, ben je te laisserai mettre des trucs dessus. Tu as travaillé. On peut les mettre directement avec le sens de la valve dans ces cas-là. Ouais. Mais j'ai eu le 3 cylindres. Ah non ! T'avais quoi comme moteur, modèle ? C'est une 2008. Non, je sais pas. 2008 3 cylindres. 2008 un quoi ? Un 2008 ? Ouais, un 2008. Ah, c'était le 2008 en 2012, un truc comme ça ? Non, là c'était j'ai eu un accident en 2019. Donc j'avais un 2008 qui était là en 2019. Ah oui, donc c'est le 1 litre 2 ouais. Je sais plus, je me rappelle plus du moteur, mais oui, c'est le 1 litre 2 3 cylindres là. Ouais, et j'ai deux à gazon. C'est ce que j'ai mis dans ma bio, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai arrêté un petit peu l'automobile parce qu'il y avait que des voitures jetables et en fait, ce moteur-là, au départ, de toute façon, Peugeot sait qu'il ne fera pas plus de 180 000 km. Ouais. Ils l'ont monté à 156 chevaux. Enfin, non, mais ça se sent. De toute façon, tu sais, tu appuies. Tout de suite, le moteur, tu sens qu'il est déjà, on tire dessus, il est déjà, ouais, le moindre rapport, c'était... Je pense que c'est bien pour une citadine. Oui. Tu vois, pour les C1, c'était très bien, sans en atmo, 1 litre, 70 chevaux, c'est très bien. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire 5000 km par an, le véhicule va faire 20 ans et c'est parfait. Ouais. Par contre, ouais, là, sur un 2008... Ouais, c'était... je pense qu'on va le poser comme ça. Bon, je les ai pris blancs. Impec. Parce que je crois qu'on avait le choix. Je ne sais plus, je remettrai donc sur la jante à l'enjoliveur, en tout cas à combien on est. Je crois que c'est en surplus. Hein. Ah oui ? Au niveau du tarif, bah, tu sais, hein, pour moi, à un moment donné, je pensais que c'était juste le cover, hein, pour le coup. Et puis quand ils m'ont dit donc les LED, bah, j'ai dit, bah, allez, hein, on va tout essayer. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Bah, c'est un peu comme le bonus écologique. Hein, pour une fois qu'on nous offre quelque chose, ah oui. On va pas cracher dessus. Hein. Ah, c'est pas facile à enlever celui-là. Ouais, c'est fou. Tu veux que je m'enlève pour que tu vois un petit peu. Il est en deux parties ou pas? Non, j'ai l'impression que non. Je pense pas. Ah, j'entendais des bruits de pattes là. Non, ça va, c'est un oiseau. J'en reviens pas qu'on ait vu le petit Scénic. Ouais, il sort bientôt. Ouais. Et puis c'est surtout que d'habitude, on le reconnaît pas.
Ah oui. On en voit souvent, donc moi je suis pas loin du Technocentre, donc j'en vois souvent des avec les camouflages et tout, et t'es limite pas capable de reconnaître une voiture de 4m20 et une voiture de 4m60, parce que le camouflage, il est fait exprès, hein, il te tronque les yeux, quoi. Et là, clairement, non, non, ben, j'ai bien reconnu le Scénic à l'avant, à l'arrière. Après, les proportions, ça avait l'air pas mal, hein. Je crois qu'il fait 4 mètres. Oui, il a l'air. Tout petit, 4 mètres 47, je crois. Oui, il a l'air. Bah, oui, clairement, si le modèle Y n'a plus le bonus l'année prochaine, normalement, c'est ce que Tesla nous dit, ça va promettre. Hein. Alors, est-ce que ça colle dessus? Donc, les autres, c'est si on ne veut pas mettre Tesla. Par contre, en termes de style, ils sont tout en métal et ils me paraissent vraiment très bien. Ça donne quoi? Ouais. Ils sont pas tous. Tu vois, tu pourrais prendre 10 sigles de différentes marques. Tu n'aurais pas la même chose exactement, ah, la ouais. même qualité. Et je les trouve, gars, ils ont un petit effet. Et même au toucher, ils sont en métal, en fait. Ouais, en effet. Bon, ben voilà, on a fait la première. On fait le dernier. Bon, il faut avoir des ongles, ce que j'ai pas. Par contre, j'arrive bien à te le décoller. Ouais. Ça. Bon, voilà, donc on va pas s'y reprendre. Donc, on met le Tesla, le Swigl, en direction. Voilà, on aligne comme ça. Voilà. On pose d'abord. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser la tête, comme ça, sans coller. Et ah, puis, ça va être un très bon test pour savoir si on entend le bruit du camion ou pas. Hein. Et tac. Et là, ça bouge plus. C'est fini. Là, ça bouge plus. Ah. Là, on est dans la direction. Mm. Même comme je disais, en fait, même si c'est en hiver, parce que ce genre de choses sont faites en plus pour coller encore plus quand il fait bien chaud, tu vois, pour vraiment durcir. Ouais. Bah alors, c'est fini une fois que c'est vraiment collé. Et donc, au final, t'as vu, il reste pas mal. Ouais, il en reste. Hein. Il reste la moitié alors, pratiquement. La moitié, on a de quoi remplacer les quatre, hein. Facile, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est nickel. C'est que pour le coup, Hakim ne l'a jamais fait. Ouais. Je lui ai montré vite fait et je veux juste voir. Voilà. Pour moi, c'est pas hyper compliqué. Sur les modèles Y, il est plus dur. Je pense que ça va venir. Tu vois, donc tu le prends bien. Tu vois tu as l'enjoliveur derrière, la jante derrière, tu la sens. Ouais. Tu vois, donc tu prends pas cette partie-là. Ouais. Là, tu le prends bien et là, tu tires vraiment coup sec d'un coup. Et normalement, même l'enjoliveur vient d'un coup. Ouais. T'as vu, c'est pas. Non, non, continue à le. D'en haut. Et là, ouais, tu continues, clac, vas-y. Ou au pire des cas, tu prends cette partie-là. Ouais. Non, non. Et cette partie-là et la partie-là. Ah, ok. Ouais, voilà. Voilà, tout simplement. Ah ouais. Est-ce que c'est compliqué? Ah non, très simple. Donc tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes accroches qu'on a sur. Alors. Non, ça a l'air d'être mieux. Ah, tu vois, regarde. Et tu n'auras pas le choix. Regarde, ça commence déjà à salir. Ouais. Donc tu n'auras pas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 6 mois, toute cette partie-là va y avoir du dépôt et ça risque de toute manière de s'oxyder. Ok. Donc malheureusement. C'est un avantage et un inconvénient de l'enjoliveur. Ouais. Bah, l'avantage, c'est qu'en gros, un enjoliveur, c'est entre 100 et 200 euros. Chacun fera ce qu'il veut. Et pour le coup, bah, même si ta jante elle est abîmée, tu remets un enjoliveur devant et ouais. T'es nickel. Tu vois, regarde, donc si on pouvait les comparer. Tu vois, donc les accroches sont un petit peu moins spécifiques. Ça se trouve, elle sera un petit peu moins douloureuse. Sur la jante. Là, il y a une sacrée accroche. Hein. Ouais. Ouais, t'as vu sur le. Vas-y, présente-la, je suis. Vas-y, sur la. Je suis bien curieux de. Alors, on va viser. Parce que nous, sur les modèles Y, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus. Voilà, donc là, tu te mets ici. Et en fait, tu viens la taper. En fait, tu viens la taper comme ça. En fait, dès que tu l'as, tu viens la taper. En fait, moi, c'est comme ça que je fais sur. Ouais, regarde. Voilà, c'est tout. Vas-y, tape. Alors, faut que tu tapes tout autour dès que tu as tapé ici. Ok, comme ça. Voilà, voilà, c'est bon. Et là, tu tapes bien tout autour. Okay. Voilà. Ici, juste là. Encore ? Bah, en fait, il s'est légèrement décroché parce que pour le coup, il faut vraiment l'enfoncer à un endroit, peu importe où. Ouais. Et après, faire tout le tour. D'accord. Et bien vérifier, donc. Mais ils se mettent super bien. Ouais, ouais. Et il y a des chances que, comme il est juste en plastique, qu'il abîme moins parce que là, pour le coup, c'est les accroches sont en bien métal, en métal. Ouais. Mmh. Ah putain, là, ça doit toucher l'enjoliveur. Hein. La jante, bah, à mon avis, ça correspond là aux petites traces qu'on a eues. Hein. C'est, ouais. Et ça, honnêtement, t'as pas le choix parce que de toute façon, t'es obligé de les nettoyer, t'es obligé de temps en temps donc de les enlever.
Ouais, donc non, bah, écoute, hein. Bah, écoute, impec. Alors, on va voir ce que ça donne la première. Tac. Ah, c'est sympa. Oh. Moi, j'aime beaucoup. Il y a de la différence. Ouais. Ça fait en fait, c'est la même couleur que de la peinture. Ouais, j'adore. Je suis fan. Et en plus, ben, ça te protège super bien. Ouais. Alors, je te l'assure pas à 200% et je te déconseille de le faire. Si tu tapes même malheureusement très fort, ouais. Même à haute vitesse, c'est ce qui est arrivé à ma femme, ouais. Le plastique va se péter, mais derrière, ça va protéger la jante. Ouais, bah, c'est génial, assez impressionnant. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je pensais pas que ça allait donner autant. Ben, le seul regret que j'ai, c'est le blanc, peut-être. Non, il ressort un peu trop. J'espère que... Tu vois, peut-être il aurait fallu prendre un chrome. Ouais, peut-être. Que du blanc, il va falloir que tu fasses un petit rappel de blanc quelque part. Mais en tout cas, ça ressort bien. Mmh. Ouais, pas mal. Allez, vas-y, on fait quand même un test pour voir si. Yes. Ben, comme c'est toi pour le coup, donc il les a enlevés. Là, tu vas renlever donc pour le coup celle de EV Base et voir si c'est plus souple ou d'habitude, sont plus durs. Alors. Là, mais même juste en essayant de les enlever. Ouais, dis-moi. En fait, là, il y a, par rapport aux celles d'origine de Tesla, il y a moins de prise parce que là, c'est un peu plus fin. Celles de Tesla, c'est plutôt des triangles. Ouais, donc là, elles épousent mieux. Donc elles épousent mieux. Du coup, la prise est un peu moins évidente. Okay. Donc je vais commencer. Ce que j'ai trouvé en enlevant celle de Tesla, c'est que quand on enlève là où il y a la valve, eh ben, du coup, c'est un peu plus simple. Donc j'essaye. Voilà. Bon, c'est un peu moins. Évident, mais voilà. Vas-y, viens ici, il y a une voiture qui arrive, il va se faire écraser le pot. Donc, un petit peu moins évident parce qu'en fait, ça vient plus épouser la jante. Voilà, mais sinon, je mets les mains comme ça, mais c'est un peu moins évident, mais vous avez vu, en deux coups, c'est parti. Et le plastique, pour le ouais, elle vient mieux, par contre, oui. elle est moins clipsée, quoi. Oui. Mais elle accroche bien, quoi. Ouais. Ok, bon, bah, c'est super, franchement. Et je pense, par contre, elle est vraiment en pur plastique. Mmh. Elle doit vraiment. Oh là, attention, il y a un truc électrique. C'est un golfeur. Une voiture électrique, pareil, on a plein de critiques comme ça, là, les voitures électriques, les voitures de golfeurs. Ouais. Bah écoute, les voitures de golfeurs. Hein. Je te laisse la remettre, maintenant tu vas être un pro. Et puis la valve en plus, on arrive bien à y accéder, quoi. Ouais, non, franchement, au niveau de la valve. Je pense, ouais, c'est ce que. En fait, t'arrives à la pousser comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Ça y est. Donc la valve, elle est là. Et l'accès est vraiment super pratique. Bon, mais qu'est-ce que t'en penses, Hakim? Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'étais attaché parce que moi, c'est la Modèle 3. J'essaie de prendre avec les enjoliveurs. La Modèle 3, c'est un coup de cœur. J'aimais bien tout ce qui était d'origine. Bon, les enjoliveurs n'étaient pas trop de la même couleur. Bon, voilà, c'est vrai que ça cassait un petit peu. Là, avec le design, franchement, ça donne super bien, quoi. Là, je suis super content. Ça change le look. Et en plus, je protège mes jantes. Donc... Ah là, totalement, tu protèges en fait les jantes sur le dessus, quoi. Ouais. Là, je suis fan. Hein. Je pensais pas que ça allait aussi bien donner. Décidément, il y a du monde. Et on va éviter de filmer tout le monde, mais... Attends, tac. Ouais, non, ça rend bien. Puis vraiment, non, le plus important, c'est au-delà du style, c'est en plus de protéger les jantes. C'est un très beau rappel, en fait, avec la couleur noire. Ouais. Et en plus, le contour, pour le coup, fait beaucoup plus habillé, quoi. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je suis très content. Bon, bah écoute, je te laisse le petit mot de la fin, Hakim. Bah, merci. Parce que, bon, bah, merci déjà pour toutes tes vidéos, parce que c'est pas évident. Tu es très, très productif. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça doit pas être évident, donc merci pour tout ça. Et puis, merci pour les enjoliveurs parce que, voilà, franchement, c'est un vrai beau cadeau quand même. Merci. Ben, il faut dire merci à EV Base pour le coup. Donc, ben, n'hésitez pas à regarder en tout cas dans leur boutique. Ils ont beaucoup de choses et beaucoup d'accessoires. Il y a donc avec le code promo pour le coup 15%. Donc, j'ai revérifié et pour le moment, c'est 15%. Je referai le point avec eux. Et puis, moi, j'ai vraiment rien à dire sur la qualité. Après, c'est très difficile à comparer avec AliExpress ou même sur Amazon. Là, on est en direct avec eux. C'est vrai qu'on est aux alentours des 200 euros, mais après, ça se vend et a priori, ils font pas mieux, quoi. La qualité, quand même, de ce que j'ai vu d'AliExpress, c'est quand même au-dessus, bien au-dessus.
au niveau de Par rapport à l'Express? ouais c'est là on est enfin AliExpress tu peux recevoir des choses qui sont mal teintées la peinture Oui, décolle tu sais que moi j'ai cherché au plus bas prix et le gars m'a envoyé une photo en me disant, ah, ils sont pas finis. Donc en fait, à l'arrière, là où y a la base donc qui va donc dans l'écrou et dans le rond, ouais, tout à fait, le gars, donc en fait, il essayait de refourguer à des gens des bavures. Et c'est pas un cas isolé, donc voilà, c'est pas le même budget, mais au moins on a de la qualité quand même. Et Là, là, on est chez un franchement, vrai marchand, comme on était plus sur Amazon et pas du AliExpress, où des fois, il y en a qui disent qu'ils sont contents, moi aussi, mais il y a des choses où honnêtement, c'est parfois un peu la loterie, quoi. Et pareil, des fois, tu te fais rembourser, et des fois, tu as des problèmes pour te faire rembourser, quoi. Oui, en effet. Ok. Bon. Eh ben, super, Hakim. À bientôt. À bientôt, merci.